Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market, nous sommes le mercredi 19 juin 2019. Alors nous connaissons déjà l'effet Donald Trump sur le marché actions, nous avons découvert hier l'effet Donald Trump sur le marché d'échange. Alors en effet nous avons assisté à une baisse de l'euro dollar, ceci est dû au discours de Mario Draghi lors du forum de la BCE. Donc il a, il a, clairement, il a clairement énoncé des taux d'intérêt négatifs mais également la possibilité d'une reprise du QE. Donald Trump a répondu immédiatement sur Twitter hein, donc, euh, en, en dénonçant ce, ce discours qui a provoqué la, la, la chute de la paire euh, euro-dollar et donc qui a mis la pression indirectement sur Jérôme Powell et donc sur la Réserve fédérale américaine. Donc nous allons voir euh, immédiatement ce, ce fameux tweet hein, qui a déclenché... Euh, qui a déclenché énormément de volatilité sur les marchés. Euh, donc voici le tweet hein, qui dénonce euh, concrètement le discours euh, de Mario Draghi ramenant la paire euro-dollar à la baisse. Euh, ceci a été jugé donc déloyal hein, euh, de la part de Mario Draghi pour le marché américain. Donc par la suite euh, Donald Trump a a confirmé la rencontre avec l'administration euh, chinoise lors du G20 au Japon donc c'est la première confirmation officielle donc détente euh, de la guerre commercial, mais euh, également nouveau coup de pression de la part de Donald Trump sur Jérôme Powell. Je vous rappelle qu'il y a des rumeurs de marché selon lesquelles euh, la Maison Blanche souhaiterait rétrograder Jérôme Powell. Donc beaucoup de pression euh, sur les épaules du gouverneur de la Réserve fédérale américaine hein, qui devrait se prononcer ce soir lors du compte-rendu du FOMC. Alors, nous allons passer euh, sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc, euh, à 8h du matin, nous avons d'ores et déjà pris connaissance de l'indice des prix à la production en Allemagne. À 10h30, euh, une salve hein, donc de publication au Royaume-Uni, donc l'indice des prix à la production et euh, l'indice des prix à la consommation. Ensuite, euh, à 11h, donc un discours euh, de la BCE, mais à noter, hein, ceci n'est pas indiqué sur le calendrier économique, mais le discours de la BCE le plus important se tiendra à 16h, et ce sera encore une fois un discours euh, de Mario Draghi. Donc à 16h. À 14h30, indice des prêts à la consommation au Canada. À 16h30, nous, nous prendrons connaissance de la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Et enfin, euh, à 20h, la décision sur les taux du FOMC. Alors, ce sera l'événement euh, de la séance, hein, donc un discours, une décision très attendue par les investisseurs. Passons sans plus tarder sur la plateforme euh, X Station 5. Donc voici devant vous le Dollar Index, Dollar Index donc, qui rebondit hein, hier euh, sur sa tenkan. Ce qui nous intéresse hein, principalement, ça sera l'euro dollar. Donc, voici l'effet euh, Draghi sur la paire euro dollar. Donc clairement euh, Draghi a réussi à baisser, euh, baisser l'euro, mais ce qui a provoqué cette baisse de la paire euro dollar, c'est l'écartement, euh, l'écartement du, du spread des taux euh, entre les États-Unis et l'Allemagne. Donc cet écartement euh, des taux a euh, entraîné euh, l'euro-dollar à la baisse. Donc euh, l'enjeu hein, pour Donald Trump à présent est de, est de faire baisser euh, le billet vert, donc de faire baisser le dollar américain et cela dépendra bien entendu de Jérôme Powell. Euh, et ça dépendra donc du compte rendu du FOMC. Donc grosse pression hein, actuellement sur les épaules de Jérôme Powell. Euh, Donald Trump semble insister pour une intervention de la Réserve fédérale américaine à suivre dès ce soir. Concernant euh, l'AUD euh, USD, nous avons eu un rebond, euh, un rebond de l'AUD USD. Cela est dû euh, au rebond du, du yuan chinois. Euh, donc effectivement, l'AUD USD était en baisse. Euh, la dévaluation du yuan pesait sur les cours de la paire AUD USD, mais le rebond du, du yuan japonais a permis un rebond de l'AUD USD. Même topo sur le NZD USD, a hein, même un rebond beaucoup plus prononcé. Passons sans plus tarder au marché action, les indices boursiers. Tout d'abord le DAX. Hein, euh Fulgurante hausse du DAX lors de la séance d'hier, un DAX qui a réussi euh, à franchir sa résistance des 12 300, un DAX aujourd'hui qui est en léger repli. Alors cela est dû à la détente hein, de la guerre commerciale, cette confirmation d'une rencontre entre, entre Pékin et Washington à Osaka au Japon à la fin du mois, euh, redonne de l'espoir aux investisseurs et donc euh, le sentiment de marché passe euh, clairement en risque on avec un, un DAX qui parvient à confirmer sa sortie de nuages. Donc voilà pour le Dax, hein, euh, l'US 500 également qui progresse à la hausse. Je vous rappelle que l'US 500 a été relativement stable hein, depuis plusieurs séances, euh, aucun catalyseur n'était hein, euh, n'était en vue, n'a permis euh, une évolution de l'US 500. Hier celui-ci a parvenu est parvenu à confirmer sa sortie de nuage également le CAC 40 hein, aussi qui a euh, donc euh, qui a affiché une très très belle progression hier, le CAC 40 qui était euh, sur support hein, sur son niveau de Tenkan donc très belle progression à la hausse avec une sortie de nuage et une lagging span euh, qui n'avait plus euh, de euh, d'obstacles devant elle. Hein. je vous rappelle que la lagging span nous donne la validation des signaux donc nous avions eu un signal à ce niveau-là avec une validation de la part de la lagging span. Très rapidement, hein, également euh, l'indice russe euh, qui a poursuivi sa hausse. Hein, je vous rappelle que nous avions euh, anticipé cette hausse suite à la sortie euh, de son canal hein, il, y a, euh, il y a un peu plus euh, d'une semaine de cela. Et donc un indice russe qui poursuit sa hausse euh, actuellement. Euh, cette, ce gap hein, est dû à un rollover qui a eu lieu hier soir. Voilà pour le marché action, nous allons passer sans plus tarder au marché des matières premières. Euh, le pétrole tout d'abord qui, euh, qui explose à la haussière, hein, cela est dû également à la détente de, de la guerre euh, commerciale. Je vous rappelle que ce qui pesait sur les cours euh, euh, du baril de Brent, c'était principalement cette baisse de la demande mondiale de pétrole. Alors une détente, euh, une détente du climat entre l'administration Trump et, euh, et, et Pékin euh, redonne des couleurs à l'or noir. Un or noir qui rebondit qui est venu tester ce retracement de Fibonacci qui correspond au 62$ 30$ nous avons également donc euh, le contrat sur les émissions euh, sur les émissions de CO2 nous, nous assistons actuellement à une sortie de la figure euh, donc à surveiller également le franchissement de ce plat euh, de Kijun qui pourrait être euh, annonciateur d'une impulsion haussière euh, pour les contrats sur l'émis, ce qui validerait la sortie par le haut de sa figure. Nous allons parler également de l'or. Euh, donc euh, devant vous une représentation en une heure, nous allons passer sur la représentation journalière. Donc l'or euh, qui, qui était hier hein, sur support, canne euh, en palier, qui est venu tester ses plus hauts avant de retracer. Donc effectivement, le passage en risque ON a permis ce retracement sur l'or. Les investisseurs se sont rués vers des actifs risqués, notamment les indices boursiers. Donc léger, euh, léger retracement de l'or, un or qui a attendu légèrement à la baisse euh, aujourd'hui en attendant le compte rendu du FOMC. L'or pourrait aller chercher euh, ce niveau-là, il ne l'a toujours pas testé, les 1341 dollars l'once. Ou euh, pourquoi pas si la baisse se poursuivait, pourrait aller chercher son euh, support qui représente sa Tenkan en palier sur le niveau des euh, 1339 environ. Ce good morning market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec euh, attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau euh, point marché. Alors soyez vigilants hein, au, au compte rendu euh, du FOMC ce soir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, euh, commenter ou même partager cette vidéo.